Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un 3 questions A un peu spécial pour un projet qui me tient particulièrement à cœur, le lancement de la Ford Business School. Alors pourquoi lancer une Ford Business School? Écoutez, c'est très simple. En fait, le monde de la distribution automobile est en pleine mutation, une mutation technologique dans laquelle le digital devient de plus en plus omniprésent. Et deuxième challenge, au même moment, alors que nous avions l'habitude de distribuer des véhicules qui fonctionnaient avec des moteurs à explosion depuis la nuit des temps, nous passons à une électrification massive et nous, Ford, avons annoncé qu'en 2026, 100% de notre gamme véhicules particuliers et véhicules utilitaires seraient capables de fonctionner sans émettre d'émissions de CO2. Pour cela, il était donc évident que nous devions recruter de nouveaux vendeurs pour nos concessions. Et pour mettre en place ce programme, nous avons décidé de nous adjoindre la force de deux spécialistes de la formation commerciale. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Anne Grondin, directrice commerciale entreprise de la Montpellier Business School. Bonjour. Et puis Pascal Garnier, donc responsable pédagogique du Purple Campus. Bonjour. Alors Marie-Anne, est-ce que vous pouvez me dire un peu dans quel cadre ce projet va se mettre en place? Quelle est la genèse du projet? La genèse du projet, elle reprend un peu et complètement les enjeux que vous avez évoqués en introduction, c'est-à-dire que c'est vraiment pour répondre à ces enjeux qu'on a co-construit ensemble, donc un parcours de formation qui va avoir vraiment pour objectif finalement d'aller accompagner demain les vendeurs de Ford qui seront complètement orientés vers l'avenir de ce que vous évoquiez tout à l'heure relatif aux enjeux, notamment d'électrification du domaine automobile. Un parcours co-créé avec des jeunes vendeurs donc, qui à la sortie auront une patine Ford. Comme on dit chez nous en interne, ils auront du sang bleu qui coule dans les veines, parce que bleu c'est la couleur de Ford évidemment. Dites-moi, quelle est la force du programme ? Alors, une des forces de ce programme, c'est que Ford, vous, vous appuyez donc sur la qualité et l'expertise de deux acteurs majeurs du secteur, avec une forte expertise de la formation professionnelle, mais aussi du secteur automobile. La deuxième, entre guillemets, force de ce programme, c'est cette approche de co-construction que nous avons mis en place avec vous pour finalement construire un programme qui va complètement être coloré aux attentes et aux enjeux de Ford. Et enfin, je dirais qu'une des grandes forces de ce programme, c'est de pouvoir tout simplement nous réunir, Ford, Montpellier Business School et Purple Campus et le réseau des CCI Negoventis autour de valeurs communes qui vont toucher l'inclusion, l'égalité des chances et la diversité de l'ensemble des profils que nous accueillerons dans ces promotions. Une des promesses de Ford depuis toujours, c'est d'améliorer la vie des gens. Et on dit c'est vrai pour nos clients, c'est vrai pour nos collaborateurs. Et là, en l'occurrence, ça sera vrai aussi pour les jeunes vendeurs puisqu'ils vont sortir avec une formation qui, je crois Pascal, est une formation diplômante. C'est en effet une formation diplômante, Bac plus 2, reconnue par l'État. C'est aussi une formation qui va leur permettre d'avoir une véritable immersion professionnelle puisqu'ils vont passer 75% de leur temps dans les concessions, 25% de leur temps dans le centre de formation. Et à l'intérieur du centre de formation, ils vont avoir une pédagogie très dynamique où ils vont apprendre les dernières techniques de vente qui utilisent le digital, tous les outils numériques au service des vendeurs qu'on pourrait qualifier d'augmentés. Dans un même temps, on va les familiariser avec la culture de Ford, avec votre stratégie et bien sûr, en bout de diplomation, ils seront tout à fait à même de vendre vos derniers modèles. Très bien, donc des jeunes vendeurs qui vont sortir avec un diplôme reconnu par l'État, une qualification d'attaché commercial. Et donc, ils seront parfaitement armés pour affronter cette distribution de demain, une distribution où le digital est de plus en plus omniprésent, donc en alliance avec le physique, ce qu'en interne on appelle le figital, et des vendeurs qui sortiront réellement avec une très forte empreinte Ford. J'ai hâte de retrouver les trois premières promotions à Lyon, à Paris et Bordeaux dès la rentrée de septembre, une rentrée qu'on attend avec impatience évidemment, et je n'ai qu'un mot à vous dire, postulez, je peux vous dire que c'est une grande aventure qui commence avec la famille Ford. À très bientôt.